Douala, en ce matin du 30 septembre 2013, jour d'élection législative et municipale au Cameroun. Premier arrêt, l'arrondissement de Douala 1er, dans la circonscription électorale de Wori-Centre. Dans ce centre de vote du collège Alfred Sakaire, les agents de l'ECAM ont mis tout le dispositif électoral en place. À 8h pile, les premiers électeurs accomplissent leur devoir civique. J'ai voté sans problème. Quand vous êtes arrivé, comment ça s'est passé? De toutes les façons, on m'a reçu. J'ai d'abord regardé mon nom sur les fiches installées dehors. Et arrivé dedans, j'ai vu dans les listings que mon nom y est. J'ai remis ma pièce, la carte d'identité, j'ai remis ma carte de vote. Ils ont enregistré. Et puis j'ai voté, je suis passé à l'isoloir. Vous avez voté deux fois? J'ai voté effectivement deux fois, les législatives et les municipales. Du collège Alfred Sakaire à l'école maternelle de Feu Rouge Bessengue. Même décor, même ambiance, les premiers votants sortent des urnes. Du centre de vote du Carrefour Bessengue. Cap sur l'arrondissement de Douala 5e à Wori Est. Vous pouvez déjà entrer pour voter. Il est 8h. On peut lancer déjà. Au centre de vote du lycée d'Aquanor, les agents d'Elections Cameroun donnent le signal, une fois la logistique électorale disposée. J'ai été accueilli par les membres de la commission qui aussitôt m'ont identifié. Après l'identification, qui a été d'ailleurs très facile, en quelques secondes, j'ai d'abord commencé par les législatives et ensuite les municipales. D'un centre de vote de Wori-Centre à un autre à Wori-Est, c'est la même ambiance avec la présence des scrutateurs de chaque parti politique et le déploiement des observateurs nationaux et internationaux, sans oublier les forces de l'ordre qui veillent au grain en cas de pépins.